Mon vieux Benoît, pourquoi tu es devenu gros drap pour nous laisser? Tu es trop en forme. Alors que tu étais mince. Donc pourquoi tu es devenu gros drap pour nous laisser? Ça va? Mon vieux, ça va très bien même. Ah, prochaine question. Bon, Benoît, que signifie laitier? En fait, je suis devenu gros bras parce que quand j'étais mince là, les gens m'attachaient trop. Donc tu étais d'autres quoi? Laitier, en fait, bon, je sais pas. Tu veux savoir ce que ça signifie? Oui, je veux savoir ce que signifie laitier. Après, c'est mieux. Et tu es prêt? Bon, je veux savoir, il y a combien de personnes dans ta tête? Maudia! Mon vieux, t'as su ton Maudia! Bon, je pense qu'il doit peut-être au moins 365 comme ça. Et chaque jour, il y a une personne qui me parle dans ma tête. T'as su dans ta tête, il y a 360. Là, tu l'as. D'accord? Mais dis-nous, il y a longtemps que tu es immature ou bien c'est maintenant? Non, il y a longtemps que je suis immature, mais. Bon, avant là, on avait. Tu sais, avant là, on regardait les Américains et puis on avait. Tu vois, non, on faisait notre modèle. On dit non, moi il veut ressembler à Jay-Z, moi il veut ressembler à tant. Mais maintenant là, c'est l'Afrique. Tu vois, non? Les Américains ont commencé à regarder les Africains. Donc moi, je me suis dit, il faut que je prenne aussi mon modèle. Tu vois, non? Donc, et puis avec les réseaux sociaux aujourd'hui là, tu peux plus te jouer les stars parce que tout le monde a accès à toi. Donc, c'est comme si c'est la famille. Donc, c'est le comportement de famille là que je montre là-bas à mes gens. Tu vois, non? D'accord. C'est un peu ça. Mais mon vieux, qui t'a appris à faire jeu de rein? Qui m'a appris à faire jeu de rein? Oui. C'est Kebaro. Tu as aimé? Mon Dieu, tu as su? Oui. D'accord. Mais mon Dieu, pourquoi tu n'as pas encore acheté Ferrari? Il n'est pas encore là, n'est-ce pas? Mon Dieu, t'es allé. Hein? Quoi? Pourquoi quand tu t'as dit, tu es toujours plaqué? C'est pour... c'est pas ça qui va à moi. Où est-ce? Quoi? Mon Dieu! Hein? On dit que tu es sugar daddy. Est-ce que c'est vrai? Comment ça? Ça dépend. Je sais pas, sugar daddy, mais ça va partir de quel âge? Sinon, moi, j'ai 34 ans. Faut pas les cheveux blancs, on te blague. Mon Dieu, est-ce que tu es parrain? Est-ce que c'est pas. Hey! Est-ce que c'est parrainage? D'accord, j'ai compris. Mais mon vieux, je dis où? Où tu prends tes danses là-même? Ah, moi, c'est pas ça, sort quoi? Ça sort comme ça sort. D'accord, je prends ça quoi? Mais non, mes vieux, c'est quoi qui est dosé? Dosé? Non, c'est le moment là quand tu. Aïe, c'est dosé. Faut pas faire ça, faut pas faire ça fort parce que les gens qu'ils font là. Non, c'est doucement, t'as dit, tu forces pas. Un, deux, C'est ça qui est dosé en fait. Hé, hey, les amis, on va applaudir. Hey, salut mon petit, ça va? Hé, hey, Benoît, il est fort non? Il est bizarre, hein? Ah, il est...
Vas-y, dis-nous tout. Tu fais quoi? Tu es ventriloque, ça fait combien d'années maintenant? Voilà, je suis ventriloque, ça fait maintenant 4 ans. C'est quoi le métier de ventriloque? Le métier de ventriloque, c'est de parler sans bouger les lèvres, parler avec son ventre. Et le ventre, oui. C'est ça. Donc, vous, là... Il est ventripotent. Ventripotent, c'est quoi? Ventripotent, c'est gros, papa. Oui, tout le monde peut faire la ventriloquie, en tout cas. Ventriloquie, d'accord, ça marche. Ok, et tes contacts, je ne sais pas, tu as Abidjan, tu es passé à Abidjan, sinon toi, tu vis à... Au Maroc, Casablanca. Et c'est là-bas que tu fais ça, ça se passe bien là-bas? Oui, ça se passe bien. D'accord. On espère en tout cas que c'est un métier qui va payer son nom ici. Okay. À travers donc Fabrice Thia, c'est ça? C'est ça. Ta page Facebook, c'est Fabrice Thia for Aboroi. C'est ça. E-T-I-A. C'est ça. Ça marche. Yafoui. On va l'applaudir très fort. Merci. Ok, merci.